La psychopathologie, c'est un fonctionnement psychique qui ne va pas être adapté et qui va amener le patient à être en souffrance. Il y a deux parcours dans notre master, un de SCS, donc structure et clinique du sujet, qui est plus orienté psychanalytique, dans notre, c'est le master qu'on fait, et clinique et développement du handicap. Il y a énormément de connaissances à acquérir et donc plutôt que de faire un master 1 en un an, ils ont choisi de le faire en deux ans. Et ça permet d'avoir plus de réflexion autour de nos stages, de nos mémoires. 3 ans, donc 3 stages au lieu de 2. Je trouve que ça nous permet vraiment d'aller maturer notre projet, de vraiment avoir plus d'expérience de stage et donc une certaine maturité pour être de bons professionnels ensuite. À la sortie du master, j'aimerais bien travailler avec les adolescents. Moi, de mon côté, j'aimerais bien être psychologue dans l'armée, donc vraiment l'accompagnement des militaires en retour de mission. On a des enseignants qui sont professionnels à côté. C'est ce qui permet aussi une certaine richesse dans les cours. Et donc c'est super intéressant parce que ça nous permet vraiment de faire du lien entre la théorie et la pratique. C'est vraiment un plus au niveau de l'UCO.